Nous savons que vous êtes fatigué, vous êtes humain, et nous vous disons déjà un grand merci et bienvenue chez vous. Merci. Mesdames et sœurs, veuillez vous lever pour poursuivre la célébration. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Amen. Nous sommes tatous. Nous sommes tatous. Voilà, monsieur le curé, on est fatigué, mais on est toujours en piste. Hein. C'est avec une immense joie que je me retrouve ici pour célébrer les merveilles du Seigneur. Bien avant qu'un grand homme n'arrive, on dit que dans les cieux, n'est-ce pas, il y a de grands bouleversements. Mais en même temps, il y a toujours un homme qui le précède. Et cet homme-là a un statut particulier. Il ferme une étape et il en ouvre une autre. Et aujourd'hui, l'Église célèbre la nativité de Saint Jean-Baptiste. Ils ne sont pas nombreux, les saints pour lesquels l'Église se rappelle leur naissance. Mais cet homme-là, il a un statut bien particulier. Alors nous aussi, tout en nous mettant à l'école de Jean-Baptiste, nous voulons surtout suivre les traces du Christ, celui-là même que Jean-Baptiste annonçait. Ce sont les traces de l'Évangile, l'Évangile de la miséricorde, l'Évangile de la paix, l'Évangile de l'amour, l'Évangile de la grâce. Ce sont également les traces de cette Église qui laisse bien enracinée à la tête de Pierre. Pierre qui conduit le troupeau. Alors, nous voulons dire merci à tous ces témoins qui nous ont appris à aimer le Seigneur. Et comme eux aussi, eh bien, nous voulons tracer nos petits sillons. Et en ce jour où nous célébrons la fête patronale de la paroisse, eh bien, je voudrais déjà vous souhaiter à tous et à chacun une bonne fête. Que nous puissions tous grandir à l'ombre de l'Esprit, nous fortifier d'âge en âge pour répondre aux défis chaque jour plus importants que le monde et la société nous présentent. Frères et sœurs, au moment d'entrer dans le mystère de la célébration de l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs, que nous sommes fragiles et que souvent nous manquons de fidélité, nous manquons d'amour les uns les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, Père, Jésus,
Thank you.
suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour
autre. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant qu'avant lui, un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : Non, il s'appellera Jean. On lui dit, personne de ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue s'éteignit. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes, de femmes ont fait ce long pèlerinage.
guidé par les péripéties de la vie, et enfin arrivé au pied de la grotte, adoré l'enfant Jésus, lui apporter nos petits présents et retourner par une autre route, complètement transformé, illuminé par celui qui dort dans le berceau, dans la grotte. Les cieux, ça prépare cet événement important qu'est la naissance du Messie. La naissance du Messie. Mais pas seulement les cieux, les hommes, une longue préparation qui commence depuis Abraham et qui arrive aussi à son sommet avec un homme, Jean le Baptiste, qui a un message. Un message qui nous fait passer par le Jourdain pour nous laver, pour nous préparer à accueillir le Verbe fait chair. Les cieux se préparent, les hommes se préparent. Alors, on ne peut que célébrer Jean le Baptiste. On ne peut que le célébrer. Parce que c'est lui qui nous amène au pied de Jésus. Et c'est lui qui nous présente au Christ. Voici
Personne ne regarde vers ces chemins-là. Les chemins arides, boueux. Et on n'a rien à en tirer. On n'a rien à en tirer. Les instruments qui ne sont pas efficaces. Un peu comme nous. Un peu comme Marie-Madeleine. Mais ce soir, surtout, un peu comme Élisabeth et Zacharie, un couple stérile. À l'époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, personne ne l'a regardée. On pensait qu'elle avait certainement offensé le Seigneur, qu'elle avait péché d'être en péché et que Dieu l'avait puni à côté de la société parce qu'elle ne portait pas un enfant, un mariage stérile. Mise à l'écart. Et c'est comme ça qu'elle a grandi avec ça. Et non seulement stérile, en plus vieille. Alors là, ça devient compliqué. Je dis bon là, vraiment... Je ne sais pas si la science peut faire quelque chose, mais en tout cas, mais à l'époque, c'était quand même compliqué. C'était compliqué. Et voilà que le Seigneur veut passer par ce chemin-là. Même au niveau de la foi, il n'y a pas toute réponse immédiate, pure, n'est-ce pas, belle, de la Vierge Marie. Élisabeth n'y croit pas. Zacharie non plus. Et pour le punir, eh bien, elle dit bon, comme tu veux pas, tu seras puni. Et c'est ce chemin-là que le Seigneur veut emprunter. Dans nos vies, parfois, qui ne ressemblent à rien. Dans nos vies, parfois, où on se cache à cause de la honte, de la peur. Voilà que le Seigneur dit, voilà, ici, là, c'est mon chemin. Quoi qu'il en soit, elle est guérie, c'est pas grave. Elle est guérie, c'est pas grave. La foi n'est pas encore, c'est pas grave. Je viens là. Et Élisabeth, dans sa vieillesse, n'est-ce pas, elle conçoit le petit Jean. Ça, c'est toujours l'inattendu de Dieu. L'inattendu de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de récompense. Elle dit que non, j'ai le charisme parce que je suis belle. Appel du Christ. Amen. Voilà. Il y en a qui pensent comme ça. J'ai des charismes parce que je prie plus que les autres. C'est faux. J'ai des charismes parce que je suis saint. C'est faux. N'est-ce pas? Un charisme n'est pas synonyme de sainteté. Non. Un charisme, c'est Dieu qui donne. Comme il veut, à qui il veut. N'est-ce pas? On raconte que dans l'Ancien Testament, les 70 vieux là qui étaient là, ils ont reçu l'Esprit. Mais à un qui était au village, il ne voulait peut-être pas venir. Lui aussi là-bas, il a reçu. Lui aussi il a reçu. N'est-ce pas? L'inattendu de Dieu. L'irruption de Dieu dans la vie des hommes. Nous-mêmes, nous sommes étonnés. Pauvres pécheurs, voilà que le Seigneur, n'est-ce pas, vient habiter. Alors, nous voulons bénir le Seigneur pour. Parce qu'à chaque fois, il nous étonne, il nous émerveille. Et nous voulons le bénir pour tous ces moments où il arrive dans nos vies. On peut dire comme un cheveu dans l'ancien. Mais nous sommes émerveillés. Et ce qui naît, n'est-ce pas, le fruit qui naît de ce terrain compliqué, difficile,
un fruit merveilleux. Jean le Baptiste. Dans l'église, on ne célèbre pas souvent la nativité. Ils sont peu. Ils sont peu. Les gens dont on célèbre la nativité. Il y a peut-être 15. 15. N'est-ce pas? 15. 15. Et vous dormez. 2. T'as au moins deux quand même. 3. Alors j'aimerais les citer. Vierge Marie. Jésus. Bon, Jésus, est-ce qu'on va le compter? Voilà. Donc ces gens-là, leur naissance, n'est-ce pas, a une saveur déjà du Messie, a une saveur de la miséricorde, a une saveur de l'évangile, a une saveur de salut. Et c'est la même chose quand on célèbre la conversion de Saint Paul. Oh là là, la conversion de Saint Paul qui illumine le chemin, n'est-ce pas, par sa compréhension de l'évangile de Jésus. L'inattendu. Alors Jésus va célébrer Jean le Baptiste, la nativité de Jean le Baptiste. Ici, il paraît que à chaque parole, il faut citer un verset. Bon, je vais essayer de citer un verset. Entre Élisabeth et Zacharie.
encore, paf! Ce plan de Dieu qui ne percevait pas très bien. Mais je pense que, au fur et à mesure, le temps de la grossesse, la méditation, eux aussi, n'est-ce pas? Ils sont rentrés dans ce plan de Dieu. À tel point que le nom qui est donné à l'enfant, le père et la mère, d'un commun accord, vraiment dans un regard de foi et sous l'ombre de l'Esprit Saint, tous deux s'accordent, un accord parfait pour dire son nom est Jean. Alors, quand on écrit Jean, ceux qui font les grandes études de la Bible, ils disent que Jean signifie Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ce nom-là, eh bien, c'est comme une mission. Jean nous introduit dans le temps de la grâce, dans le temps de la miséricorde. Mais ce temps de la miséricorde passe par le Jourdain, passe par la conversion, passe par la justice. Que devons-nous faire? Ah bon? Tu es policier? Fais ton travail. Rien de plus. Tu vas au marché? Fais ton travail. Rien de plus. Tu es fonctionnaire? Fais ton travail. Rien de plus. Ça, on appelle ça. Avant de parler de miséricorde, de machin, Jean commence par rétablir. Il faut passer par la conversion. L'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. Et cette eau-là, c'est la conversion, c'est la justice, c'est la paix. Le nom de Jean est toute une mission. Un peu plus loin dans l'évangile, on dit à Élisabeth, mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Jean vient, il arrive au sommet de tout ce que les prophètes ont dit, mais en même temps avec Jean, il y a une rupture. Il y a une rupture. Jean nous introduit dans les temps nouveaux, les temps du Messie. Les temps du Messie. La présence du Messie, le Verbe fait chair, Jean commence à le reconnaître déjà dans le sein de sa maman. Lorsqu'il entend la voix de la Vierge, eh bien, Jean, dans le sein d'Élisabeth, commence à danser. Cette danse-là nous rappelle la danse de David, l'appel du Christ. Amen. Voilà. Lorsque David, n'est-ce pas, fait entrer l'arche d'alliance qui contenait les tables de la loi. Lorsque l'arche d'alliance entre à Jérusalem, David danse. Et l'une de ses concubines est scandalisée. Comment le roi peut danser comme ça? Presque nu. Alors Jean-Baptiste, dans le sein, lui aussi, il n'y a pas de vêtements, n'est-ce pas? Il célèbre déjà le Verbe de Dieu dans le sein de Marie. Il célèbre l'évangile. Cet évangile que nous célébrons avec beaucoup de ferveur, c'est dans la vie que nous devons le célébrer. En suivant les pas de Jésus. Celui qui m'aime, dit le Christ. Là, je ne vais pas citer le verset, peut-être les connaisseurs ont peut-être idée. Si quelqu'un m'aime, il gardera l'amour. Pour nous les chrétiens, c'est pas compliqué. Tu aimes le Christ, tu gardes ta parole. Je sais pas si m'a dansé, sauté, des heures. Si tu aimes le Christ, tu gardes sa parole. L'amour, pour nous les chrétiens, l'amour de Dieu se résume à ça. L'amour de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jean, déjà, Jean, dans le sein de sa maman, n'est-ce pas, il commence, il exulte, il célèbre la parole. Cette parole-là, qui donne la force de dire à Hérode,
tu n'as pas le droit de. Tu n'as pas le droit. Mais on en va. Cette parole qui va l'amener au désert. La radicalité de Jean. Cette parole qui fera de lui un martyr. Célébrer la parole de Jésus jusqu'à donner son propre sang. L'évangile continue en disant que la main du Seigneur était sur lui. Une main qui le guide depuis le sein maternel jusqu'à l'entrée dans les cieux nouveaux. La main de Dieu nous guide. Lorsqu'on fait la première communion, pardon, lorsqu'on fait la confirmation, n'est-ce pas? Alors, j'aime bien cette main-là que l'évêque pose sur l'épaule. Pas la, c'est pas la gifle, hein? À votre époque, c'était la gifle. Notre époque, là, c'est pas la gifle. Nous, c'est la main. La main sur l'épaule. Cette main-là, bien, c'est la présence invisible de Dieu qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Dans les vallées et les machins, même au-delà de la mort, la main est toujours là. Tu ne la vois pas, mais c'est une main qui nous accompagne. Sur l'épaule, tu te presses, non, mon petit. Là-bas, 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 c'est mauvais. Si tu es intelligent, n'est-ce pas? Si tu es intelligent, si tu as l'esprit, l'esprit de Jésus, n'est-ce pas? Alors tu suis les mouvements de la main. Je vais terminé en disant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Jean-Baptiste n'est-ce pas choisi le désert. Jésus et Jean, les deux, ont en commun le désert. Bon, il paraît que nous sommes qu'on a un désert ici, un désert. Combien de temps? Il a fatigué la vie de. Alors, le désert, le désert, le désert. Jésus et Jean ont en commun le désert. Mais le désert toujours comme une préparation avant le ministère. Préparation avant le ministère. Jésus a passé 40 jours au désert, en préparation à son ministère. Jean-Baptiste, lui aussi, il va aller au désert. Mais il va rester là-bas toute la vie. Avant, bien sûr, de se faire connaître par Israël. Toujours en préparation à la mission. Rechercher la proximité de Dieu. L'écoute, n'est-ce pas, de la voix du Seigneur. Je voudrais que cette fête patronale, n'est-ce pas, nous introduise dans les dispositions de Jean. La célébration de la parole. La célébration de la justice et la recherche de la communion avec Dieu et les frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, frères et sœurs, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur.